toutes les nouveautés immanquables de l'édition 2018 du Mondial. Pour Automoto, c'est maintenant. Nous voici sur le stand de la plus jeune marque de ce Mondial 2018. Il s'agit de VinFast, une marque d'origine vietnamienne créée il y a à peine plus d'un an. Son but est de démontrer tout le savoir-faire technologique de ce pays qui est en plein développement avec une croissance annuelle du PIB supérieure à 6%. Ces deux modèles, berline et SUV, sont développés sous licence BMW sur la base d'une plateforme étroitement dérivée de celle de la série 5 avec des mécaniques également d'origine BMW, un 4 cylindres essence turbo de 176 ou 230 chevaux. Le design de ces deux modèles a été choisi, a été élu par les automobilistes vietnamiens. C'est le cabinet Ital Design Jujiaro qui a été sélectionné. Mais le design final et la production ont été confiés au célèbre carrossier italien Pininfarina qui a réalisé également ce magnifique stand. Ces deux tout nouveaux modèles seront lancés au Vietnam en 2019 avant d'être exportés en Asie du Sud-Est et peut-être un jour également en Europe et aux États-Unis. En attendant, la jeune marque VinFast travaille actuellement sur une petite citadine, un scooter et un autobus électrique. Et nous voici donc en avant-première mondiale à bord de cette VinFast SUV avec un habitacle tout à fait correct au niveau de sa présentation, de son design. Un grand écran tactile central d'inspiration tout à fait Volvo, voire un peu Renault également. Les matériaux ont l'air de facture tout à fait correcte avec un très beau bois. Rien de particulier à signaler. Le modèle d'exposition n'a malheureusement plus de levier de vitesse. Il a été dérobé tout à l'heure lors de la présentation. C'est bien triste. Rappelez-vous, les premières voitures japonaises ont été énormément décriées. Les premières voitures coréennes, idem. Quant aux chinoises, elles ne sont pas encore là. Peut-être verra-t-on un jour en Europe un modèle d'origine vietnamienne. Elle, c'est la 1 qu'il faut désormais appeler Audi A1 Sportback, tout simplement parce qu'elle n'est plus disponible qu'avec 5 portes. Alors c'est un véhicule qui s'étend sur 4,03 m, soit à 3 cm près, la longueur d'une Renault Clio, pour vous donner une idée de son gabarit. Et elle repose sur la plateforme qui sert de base technique à la Volkswagen Polo. C'est une plateforme qu'on appelle MQB A0. La précédente génération d'Audi A1 était précédemment fabriquée à Bruxelles, en Belgique, et désormais celle-ci, elle sera assemblée en Espagne, aux côtés des Seat Ibiza et Seat Arona. On sait déjà que sous le capot, dans un premier temps en tout cas, on n'aura pas de moteur diesel. On disposera donc de moteur 1 litre TFSI à 3 cylindres de 95 et 116 chevaux, mais il y aura aussi un 1500 TFSI et même un 2 litres TFSI, le moteur de la Volkswagen Polo GTI, qui développe donc 200 chevaux. Le volume de coffre de cette nouvelle A1 Sportback, c'est 315 dm3, ce qui est très bien pour cette catégorie dans laquelle on compte, je vous l'ai dit, la Renault Clio, mais éventuellement les Mini aussi. C'est un net progrès par rapport à la précédente génération d'A1. Et côté tarif, on estime le prix de base à 19 000 euros. Sur les versions plus coûteuses, on pourrait évidemment disposer d'un équipement bien plus généreux et innovant, avec différentes tailles d'écran tactile par exemple. Le Virtual Cockpit, lui, donc l'instrumentation digitale, les compteurs sont remplacés par des écrans, et ça, c'est en série, quelle que soit la finition sélectionnée. On pourra aussi disposer d'un assistant à la conduite avec, par exemple, un régulateur adaptatif capable de gérer lui-même la vitesse de 0 à 200 km à l'heure. Chez Audi, la nouveauté, c'est l'e-tron, un SUV de 4,90 m de long, 100% électrique, avec un moteur donc qui développe l'équivalent de 360 chevaux, voire 408 chevaux sur une courte période, par exemple, pour un dépassement. C'est un véhicule qui est déjà disponible en pré-réservation et dont les premières livraisons auront lieu en décembre 2018. Alors, c'est environ 82 000 euros, c'est encore qu'une estimation, on n'a pas le tarif très précis. Donc cette voiture, c'est la nouvelle rivale de la Jaguar I-Pace, un SUV 100% électrique. C'est vraiment la mode sur ce salon, ou tout au moins c'est l'actualité, parce qu'on a un modèle comparable chez Mercedes avec la EQC. Côté technique, cette voiture, on a un coffre de 600 litres à l'arrière, un coffre de 60 litres à l'avant, par exemple pour brancher les câbles électriques. Côté performance, donc, la vitesse maxi, c'est 200 km à l'heure. Avec un véhicule électrique, on les bride de manière à ne pas user trop rapidement la batterie et conserver une autonomie qui
qui est annoncé à 400 km selon le cycle assez crédible, le WLTP. Donc on peut être à peu près certain de parcourir facilement 350 km à son volant. Pour recharger leur batterie, il faudra compter 8h30 sur une borne de 11 kW. Mais sur une borne très rapide, on peut les recharger à hauteur de 80% en juste une demi-heure. Chez Audi, pour nous montrer le fonctionnement, ou plutôt l'architecture de cette nouvelle e-tron, on a ici une maquette à l'échelle 1 du soubassement de la voiture et on a une idée comme ça de la place que prennent les batteries intégrées au châssis. Et on voit également la transmission donc aux roues arrière et aux roues avant. Avec son nouveau C5 Aircross, Citroën a une nouvelle fois cédé à la mode, je dirais même presque à la déferlante des SUV et autres crossovers, délaissant totalement le segment de la berline familiale traditionnelle. On peut se demander ce que vont devenir les anciens propriétaires, vous allez me dire, ils sont vieux pour la plupart, les anciens propriétaires de Xantia et autres C5, qui avaient déjà été échaudés par l'abandon de la légendaire suspension hydropneumatique qui avait largement participé à la réputation de la marque au double chevron, suspension qui a été abandonnée sur la C5 en juin 2017. Ces vieux citroënistes n'auront d'autre alternative que de rouler au volant d'un gros et massif SUV ou alors ils devront se tourner vers la concurrence. Pourquoi pas, me direz-vous, la marque cousine Peugeot avec sa fabuleuse 508 ? Ou alors devront-ils patienter pour les plus fidèles d'entre eux jusqu'en 2020, date à laquelle sera présentée la future Citroën C6, dont nous espérons bien qu'elle rendra hommage esthétiquement au fabuleux concept présenté il y a 2 ans au Mondial de Paris en 2016, la CX-Périence. Modèle qui fait référence, comme vous l'avez compris, à la CX au niveau esthétique, car rappelons autre bizarrerie de Citroën, que seule la marque DS a le droit de faire référence à la légendaire DS et Citroën n'a plus les droits d'y faire référence. À bon entendeur, salut! Sur le stand BMW, la principale nouveauté, c'est elle, c'est la nouvelle berline série 3, la rivale historique des Audi A4 et Mercedes classée. C'est donc la 7e génération et elle a un nom de code, comme toujours chez BMW. Et là, c'est G20, comme les supermarchés. La série 3, c'est la BMW la plus vendue dans le monde. Donc celle-ci, elle grossit énormément par rapport à la précédente version. C'est plus 8 cm en longueur. Ça devient vraiment une grosse voiture. Mais évidemment, le look a été préservé. La série 3 conserve les codes stylistiques qui ont fait son succès, en tout cas celui de la précédente génération. Les premières livraisons auront lieu en mars 2019, on connaît déjà le prix de base, c'est 41 900 euros. Et il y aura dans un premier temps 5 versions, 320i, 330i, avec désormais un 4 cylindres, et c'est d'ailleurs le 4 cylindres le plus puissant qui a été fabriqué chez BMW. Il développe 258 chevaux. Et on aura aussi les versions diesel, 318D, 320D et 330D. En ce qui concerne la plateforme, ou plutôt la base technique, c'est comme ça qu'on parle chez BMW, il faut savoir que cette nouvelle série 3 partage énormément d'éléments avec la nouvelle BMW Z4. À bord, c'est pareil, d'un point de vue stylistique, il n'y a pas grand-chose qui change, pourtant la voiture est entièrement nouvelle. En revanche, on a des systèmes assez innovants, donc il y a évidemment la commande gestuelle, comme sur une série 5 ou une BMW série 7. Il y a aussi d'autres équipements comme le Reverse Assistant qui mémorise par exemple les 50 derniers mètres parcourus par le conducteur et qui est capable, juste en appuyant sur un bouton, de refaire le chemin à l'inverse, par exemple en marche arrière, ce qui peut être pratique par exemple si vous êtes allé dans un chemin et que la marche arrière n'est pas évidente. On trouve aussi le IPA, IPA, donc ça c'est un assistant vocal. Il suffit par exemple de lui dire « j'ai faim », il vous propose des restaurants. Ou alors, plus intéressant, je suis fatigué et là, le véhicule va par exemple baisser la température de la climatisation pour vous réveiller, voire éventuellement mettre de la musique et changer l'ambiance en ce qui concerne l'éclairage de manière à vous tenir éveillé. Il y a aussi la commande gestuelle qui permet par exemple d'augmenter le son en faisant ça. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît sur les séries 5 et séries 7. Et pour le reste, il faut savoir qu'il y aura une version hybride rechargeable qui est prévue en 2019. Mais pour en prendre le volant, il faudra donc attendre le début de l'année prochaine. 197, 258 ou 340 chevaux, ce sont les trois niveaux de puissance qui seront
disponible dans un premier temps sur ce nouveau BMW Z4. Les deux premiers avec des 4 cylindres de 2 litres et le troisième, le seul à profiter d'un 6 cylindres en ligne, c'est un 3 litres turbo. Il se murmure malgré tout déjà qu'une version M est au programme et elle développerait 382 chevaux. Ce Z4, c'est donc la troisième génération. La première s'est vendue à 200 000 exemplaires dans le monde. On se souvient qu'il y avait le coupé et le roadster. La seconde génération, c'était 115 000 exemplaires vendus dans le monde. En revanche, là, c'était une version coupée à cabriolet. Et vraisemblablement, si on en croit ce que nous explique BMW, c'est que les clients voulaient, souhaitaient un retour du vrai roadster, plus léger que le précédent. Et d'ailleurs, on n'en sait pas encore beaucoup sur le poids, on sait juste que ce roadster pèse moins de 1500 kg. Cette version présentée sur le stand BMW au Mondial, c'est donc la version dotée du 6 cylindres de 340 chevaux, je vous l'ai dit, capable d'abattre le 0 à 100 en 4 secondes et demie. Un modèle vraiment plaisant et pour rappel, c'est une voiture qui a été développée en partie avec Toyota qui, en version coupée, en a fait sa Supra. Pour l'instant, chez BMW, celle-ci n'est prévue que en version roadster avec une capote en toile. Parmi les détails stylistiques qui sont marquants sur ce nouveau Z4, il y a la calandre. On voit que c'est trapézoïdal, on n'a plus les stries ou plutôt les lamelles verticales. Autre détail, c'est les phares. C'est la première BMW de l'histoire à disposer de phares superposés et non pas côte à côte. Vous êtes sans doute nombreux à avoir joué au Lego quand vous étiez petit. Eh bien, sachez qu'à ce Mondial 2018, le stand le plus original est sans doute le stand de Lego, avec une réplique à l'échelle 1 de la Bugatti Chiron, une maquette qui a nécessité l'emploi de plus d'un million de pièces de Lego et accaparé 16 personnes pendant 13 000 heures de travail. Les seules pièces qui ne proviennent pas de Lego sont les jantes, les pneus et les ceintures de sécurité. Cette voiture est capable de rouler jusqu'à 30 km/h grâce à 2304 petits moteurs électriques de Lego. Et cerise sur le gâteau, elle émet le son du vrai modèle. Alors Romain, on est chez Bugatti où tu vas prendre possession de ta toute nouvelle voiture, la Bugatti Divo. Et oui, une magnifique voiture qui est basée sur la Chiron, qui reprend le même moteur, la même transmission. Un W16, 4 turbos de 1500 chevaux avec une boîte robotisée double embrayage, une transmission intégrale. Mais bon, il y a quand même quelques différences, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment m'offrir cette voiture. Alors justement, j'ai entendu dire et j'ai lu partout dans la presse internationale qu'elle allait moins vite que la Chiron. Et oui, 380 km/h seulement, elle est limitée. L'autre roule à 420 quand même. Et oui, du coup, il y a une vraie différence. Mais la compensation, c'est qu'elle est censée aller plus vite en virage. La carrosserie, vous le voyez, elle est quand même très différente. L'aérodynamique est plus poussée. Et puis, des réglages de train roulant très différents aussi, une direction revue. On a notamment un carrossage des trains plus prononcé. Les roues rentrent davantage dans les ailes. Ce qui fait, voilà, c'est pour ça qu'elle va moins vite. Ce qui explique que la vitesse maxi a été limitée puisque la voiture est moins en contact avec le sol qu'une Chiron. Alors Divo, qui était ce monsieur ? Eh bien, c'était Albert Divo, un coureur français qui a participé notamment à la Targa Florio, qu'il a gagné au volant d'une Bugatti. D'accord. Alors, 40 exemplaires dans le monde seulement. Tout à fait. Sur 500 Chiron, enfin en plus des 500 Chiron qui vont être construites dans les années à venir, 5 millions d'euros, c'est 2 millions d'euros de plus, tout ça hors taxe, hein, évidemment, ouais, qu'une Bugatti Chiron normale. Et alors moi, je voulais savoir si tu pouvais me la prêter parce que elles sont toutes vendues. Évidemment, Stan, il n'y a aucun problème parce que, comme tout client Bugatti, j'ai déjà en moyenne 84 voitures dans mon garage, en plus de mon yacht et d'un jet. Donc, il n'y a vraiment aucun souci, tu m'appelles et puis... En tout cas, très, très belle voiture. On a la chance aussi de l'avoir à Paris. C'est assez rare d'avoir une voiture comme ça sous les yeux. On rappelle que c'est fabriqué en France, évidemment, en Alsace, mais que Bugatti appartient au groupe Volkswagen. Et j'ai vraiment hâte que tu me prêtes les clés, que j'aille faire un petit tour avec. Ce sera un plaisir. Nous voici sur le stand Citroën de ce Mondial 2018 où figure une des grandes nouveautés, le nouveau C5 Aircross. Quand je dis le nouveau, il s'agit bien évidemment d'un crossover, d'un SUV. Aircross est désormais synonyme de crossover chez Citroën après le petit C3 Aircross et le bon vieux C4 Picasso qui a été rebaptisé Aircross. Voici le C5 du même
patronyme. Un crossover familial qui s'inscrit d'emblée parmi les plus longs de la catégorie. Avec ses 4,50 m, il se rapproche de la taille des Ford Kuga et Mazda CX-5. Avec son empattement XXL, il favorise bien évidemment l'habitabilité, comme nous allons le voir tout à l'heure. Cheval de bataille traditionnel de Citroën, le confort, bien évidemment. Ce C5 Aircross adopte les amortisseurs à double butée hydraulique progressive qui ont été inaugurés sur le C4 Cactus il y a quelques mois. L'insonorisation se révèle également très poussée avec des vitres feuilletées latérales, un compartiment moteur largement insonorisé et également des sièges disposant d'un petit matelas d'accueil comme nous allons le voir en visitant l'habitacle. Si l'espace aux jambes est un peu moins généreux qu'à bord de la version chinoise du C5 Aircross, celui-ci s'en distingue par ses trois sièges individuels de même taille et coulissants, lesquels permettent de libérer un immense volume de chargement qui varie de 580 à 720 litres et qui en fait le plus volumineux de la catégorie. On retrouve à bord une ambiance agréable et raffinée, typique des nouveaux SUV et crossovers de la marque au chevron, avec un écran tactile très bien implanté, des commandes relativement simples à appréhender. Les matériaux sont de qualité très correcte, avec des petites finitions qui rappellent tout à fait aussi le C4 Cactus. Par contre, on retrouve, alors là vous allez me dire c'est peut-être un peu un tic de journaliste, mais quand même des plastiques durs en partie basse de planche qui ne sont pas très qualitatifs. Mis à part ça, l'ergonomie semble parfaite et surtout le confort des fauteuils est tout à fait digne de Citroën en effet. Sous le capot de ce nouveau C5 Aircross, deux motorisations essence de la famille PureTech, le petit 3 cylindres 1,2 litre 130 chevaux bien connu et le récent 4 cylindres 1,6 litre 280 chevaux, lequel est associé à l'excellente transmission automatique EAT8. Des niveaux de puissance 130 et 180 chevaux que l'on retrouvera sous le capot des versions diesel HDI. Il faudra en revanche patienter jusqu'en 2020 pour pouvoir acquérir la future version hybride essence rechargeable dont la puissance cumulée atteindra 225 chevaux. Une version que Citroën annonce à 2 litres au 100 pour des émissions de 50 g de CO2 et qui nécessitera 2 heures de temps de recharge total à condition d'acquérir une wallbox 32 ampères. L'autonomie en tout électrique est annoncée comme atteignant plus de 50 km. En revanche, cette version hybride rechargeable sera une simple traction dans la mesure où elle ne dispose que d'un seul et unique moteur électrique qui lui interdit la traction intégrale. Côté tarif, ce nouveau C5 Aircross est annoncé à un petit peu moins de 25 000 euros, soit le même tarif que le Renault Kadjar restylé, un tarif légèrement inférieur à ceux de son principal concurrent, son cousin, le Peugeot 3008. Nous vous donnons rendez-vous à la fin de l'année, au mois de décembre, pour un premier essai détaillé au Maroc, date à laquelle ce nouveau C5 Aircross sera commercialisé. Romain, nous sommes chez DS maintenant. DS, c'est la petite marque premium du groupe PSA, marque assez luxueuse. Et enfin, une vraie nouveauté française, puisque cette voiture est entièrement nouvelle. Eh oui, ça n'a pas toujours été le cas chez DS. On a longtemps recarrossé des Citroën. Là, il s'agit d'une vraie nouvelle voiture avec une toute nouvelle plateforme, une plateforme CMP développée en partenariat avec Dongfeng, le partenaire chinois du groupe PSA. Il n'empêche que la voiture, elle, sera fabriquée en France, à Poissy. Et cette nouvelle plateforme permet surtout à cette DS3 Crossback, remplaçant une DS3 tout court citadine 3 portes, à cette DS3 Crossback d'être pour une fois en avance sur son temps, ou en tout cas à l'heure, avec les autres dans le secteur du premium, en proposant de l'affichage numérique un peu partout dans l'habitacle et surtout une chaîne de propulsion électrique, 100% électrique dès l'année prochaine, je crois bien. Voilà, qui s'appellera DS3 Crossback E-Tense. Il faut savoir que E-Tense, c'est l'appellation hybride rechargeable ou électrique utilisée par DS. Alors cette DS3 Crossback E-Tense proposera un moteur de 100 kW, donc 136 chevaux, et une autonomie allant jusqu'à 300 km selon le cycle WLTP, donc ce qui est pas mal. Enfin, on sait que cette DS3 va être très moderne, des équipements totalement à la pointe, et puis aussi beaucoup de personnalisation comme chez Mini ou Fiat avec la 500, ou évidemment l'Audi Q2 qui est le rival direct
de cette DS3 Crossback. Oui. À noter d'ailleurs que le Q2, lui, existe en 4 roues motrices et pas cette DS3. Non, pas cette DS3. En revanche, là où DS se cale un peu sur le Q2, c'est côté tarif. Évidemment, quand on veut faire du premium, eh bien, il faut le montrer. Et ça commence par des tarifs assez élevés. L'offre démarre à 23 500 euros avec un moteur PureTech 100 chevaux associé à une boîte manuelle. Et ça va, attention, tiens-toi bien Romain, jusqu'à 40 500 euros pour la DS3 Crossback 1 litre de PureTech 150 chevaux, boîte automatique à 8 rapports s'il vous plaît, édition la première, donc très haut de gamme, c'est une version de lancement. Alors un tarif qui paraît très élevé, surtout si on le met en rapport avec le prix moyen de la DS7 Crossback, donc qui est le SUV haut de gamme et beaucoup plus imposant que le DS3 Crossback, qui est en France de 47 000 euros. Un DS7 Crossback qui par ailleurs démarre à 31 200 euros, donc c'est pas très éloigné. Donc là, on peut dire que DS monte vraiment en gamme, à la fois en prestation et aussi en tarif. Donc on vérifiera à l'essai eh bien, si ce tarif est justifié. Alors le mondial de l'auto, il n'y a pas que des modèles contemporains, il y a aussi des vieilles voitures. Nous incitons tous les amateurs, jeunes et vieux, à venir dans le Hall 5 pour visiter cette superbe exposition qui retrace plus d'un siècle d'histoire de l'automobile et de la compétition, organisée par la Fédération française des véhicules d'époque. Nous débutons la visite. Voici une des premières voitures de l'histoire, une française, une Panhard Elevasseur de 1892. Son pendant de chez Renault, la fameuse Type A, c'est une réplique bien évidemment, mais il n'empêche. Un peu plus loin, à la droite, la Jamais Contente, la fameuse Jamais Contente, qui est sortie de son musée de Compiègne. Typique des années 20, cette magnifique Hispano-Suiza de 1927, coupé chauffeur, donc avec une séparation entre le chauffeur et le maître à l'arrière, bien évidemment, carrossé par le tourneur et marchand. Tous les amateurs de Citroën reconnaîtront la fameuse Auto Chenille qui avait participé à la croisière jaune en 1930. Voici devant une magnifique Facel Vega qui fut la dernière marque de prestige française qui cessa en 1964, qui était motorisée par un V8 d'origine américaine Chrysler, vu qu'il n'y avait pas de moteur suffisamment puissant en France. Donc modèle marque très haut de gamme qui était prisé de nombreuses personnalités comme Picasso, comme François Truffaut. Et c'est dans un modèle de marque Facel Vega que l'éditeur Gallimard et l'écrivain Camus trouvèrent la mort sur la National 7. Deux modèles particulièrement élégants des années 60, la célèbre Citroën DS dans sa version cabriolet, carrossée par le carrossier Henri Chapron de Levallois-Perret, et un peu plus loin, autre modèle mythique, la Jaguar XJ6 dans sa première série de 1968, dessinée par William Lyons, qui fut d'ailleurs par la suite anobli par la reine d'Angleterre. Une élégance absolument incroyable. Cette incroyable Citroën CX à double essieu était utilisée par le laboratoire des ponts et chaussées afin de mesurer la rugosité des chaussées des routes françaises. Elle pouvait emporter à bord 650 litres d'eau qui servait justement à arroser la chaussée pour les mesures. Après les années 60, il y a quelques instants, nous voici dans les années 70 avec deux remarquables modèles, la fameuse Citroën SM, donc Citroën Maserati, et un magnifique exemplaire du coupé 3 litres CSI de BMW qui est l'un des modèles préférés de l'actuel patron du design BMW, pour la petite histoire. Après les années 60 et les années 70, nous voici en plein milieu des années 80 avec deux modèles totalement antinomiques, la monstrueuse Lamborghini Countach et à ses côtés, le tout premier exemplaire du monospace français, le célèbre Renault Espace en 1984.
trois illustres modèles de compétition, la Bentley 4,5 litres à compresseur de 1929. À ses côtés, la Renault étoile filante de record de 1956 qui, avec ses 270 chevaux offerts par une turbine, atteignait, tenez-vous bien, 330 km/h sur le lac salé de Bonneville aux États-Unis. Et enfin, la célèbre Rolls Silver Shadow qui s'illustra, tenez-vous bien, au rallye Paris-Dakar en 1981, qui fut hors classement mais qui eut l'autorisation de continuer à rouler, tant elle eut de succès avec pas moins de 1800 articles de presse et 150 passages à la télé. Dans cette très belle exposition, petite mention particulière à notre confrère et ami, le dessinateur Thierry Dubois, à qui l'on doit ces magnifiques fresques murales. Si sur le stand Ferrari, la vedette est assurée par la fabuleuse barquette Monza, n'oublions pas de vous présenter la version speeder découvrable de la petite 488, ici dans sa version pista, qui, rappelons-le, est la version la plus affûtée de la 488. Son moteur V8 biturbo de 3,9 litres développe en effet la coquette puissance de 720 chevaux. Si sa production n'est pas limitée en nombre d'exemplaires, elle est en revanche limitée dans le temps, maximum 2 ans de production. Avis aux amateurs, sachant que malheureusement, tous les exemplaires sont déjà vendus, malgré le tarif coquet mais ridicule par rapport à celui de la barquette, de 321 600 euros pour cette version speeder de la 488 Pista. Je vous donne quant à moi rendez-vous, je l'espère, dans quelques mois pour un essai de la version coupée de cette Pista. A très bientôt sur Automoto. Ferrari affectionne particulièrement Paris. Pas un mondial de l'automobile sans que le constructeur de Maranello ne présente au moins une nouveauté. Nous sommes particulièrement gâtés cette année avec cette sublime barquette Monza SP1 pour une place ou SP2 quand elle dispose de 2 places. De quoi s'agit-il ? Tout simplement un nouveau segment chez Ferrari baptisé Icona, icône en français, qui consiste à rendre hommage aux modèles les plus mythiques du constructeur de Maranello. Cette barquetta rend hommage à la très mythique 166 mm de 1948. Sous sa magnifique carrosserie en carbone, on retrouve les entrailles de la 812 Superfast avec son châssis alu et surtout son fantastique moteur V12 6,5 litres atmosphérique qui développe ici la bagatelle de 810 chevaux, soit 10 petits chevaux symboliques de plus qu'à bord de la 812 Superfast. Parmi les particularités, outre le fait qu'il s'agisse d'une véritable barquette, 1 ou 2 places, des portes papillon, à ouverture papillon, et surtout, regardez bien, l'absence totale de pare-brise. Il s'agit d'un pare-brise virtuel, le flux d'air est dévié jusqu'à 300 km/h. Incroyable. Décidément, Ferrari reste le roi de l'aérodynamisme. 499 exemplaires vont être produits. Tenez-vous bien, ils sont d'ores et déjà tous réservés, malgré le prix totalement démoniaque de 1 600 000 euros, je vous rassure, toute taxe comprise. Je pense que le commandateur serait très fier de cette voiture. Et décidément, chez Ferrari, quand on aime. Alors sur ce Mondial 2018, on fait un petit tour des stands pour parler design, parler de nos coups de cœur et parfois de nos coups de gueule, avec plus ou moins de bonne ou mauvaise foi, avec plutôt Nicolas. De la mauvaise foi d'ailleurs. Exactement. Et on commence tout de suite sur le stand BMW. Où les nouveautés sont nombreuses, parmi lesquelles la nouvelle série 3, 7e génération, je joue. Alors pour tout avouer, je ne vais pas être gentil, je suis passé devant hier soir, c'est vrai que j'étais fatigué, je ne l'ai même pas vu. Alors c'est vrai que l'avant passe plutôt inaperçu, moi j'y vois de faux airs de Peugeot, avec cette petite découpe. Au niveau du profil, il y a certains coups de crayon qui sont plutôt inspirés, comme au niveau du bas de caisse. Alors pour moi, c'est l'arrière qui est le plus réussi sur cette nouvelle série 3. J'aime beaucoup ces crosses caractéristiques qui débordent ici. Ça, on l'a vu sur la série 8 qu'on verra tout à l'heure. Il y a un petit côté
japonisant qui n'est pas désagréable. Il y a un petit côté queue de canard aussi, je trouve, sur cette nouvelle série 3, qui n'était pas le cas de la précédente. C'est vrai, mais ça dynamise un peu. Voilà. Alors nous voici devant le nouveau coupé série 8 BMW qui est censé remplacer l'ancienne série 6. Modèle, je m'attendais à trouver un petit peu mieux, je le trouve. Alors il a le mérite d'être très discret à mon sens. Peut-être un peu trop. Presque un peu trop. Et il y a un truc que j'aime pas, Julien, tu vas dire, c'est cette descente de pavillon que je trouve beaucoup trop plate. Ça manque un peu de dynamisme. Mais enfin, ça a l'avantage de la sobriété. Qu'est-ce que tu en penses ? Au contraire, il y a une chute qui est très rapide par rapport à l'ancienne série 6. Ça fait une cellule très petite et je trouve que justement ça dynamise vraiment l'ensemble. D'accord, alors moi j'aimais vraiment beaucoup l'ancienne 6. Je trouvais que c'était un bon compromis entre classicisme, dynamisme. C'était pas too much comme à l'époque des anciennes séries 6 à Chris Wrangle. J'aimais bien la précédente. Mais bon, on va voir, ça dépend aussi je pense des coloris. Et puis il y aura aussi la version cabriolet. Exactement. Qui devrait être sympa. Julien, nous voici devant cette troisième génération du Z4 très attendue. On reconnaît immédiatement un Z4, mais on ne trouve plus le profil altier, très dynamique, très allongé, un peu façon Tex Avery des anciennes générations. Là, il est beaucoup plus râblé, plus compact, peut-être un peu trop, mais je crois qu'il y a eu un compromis dans le design. Voilà, BMW a travaillé en collaboration avec Toyota pour développer la Supra. On sent qu'ils ont dû faire des compromis et on trouve plus sur le Z4 le capot démesurément long qu'on trouvait sur les précédentes et qui était vraiment très appréciable. Bon, la face avant, par contre, est assez sympa, je trouve, même si les optiques sont peut-être un petit côté Fiat 124, bon, je ne suis pas super fan de l'avant. Alors Nico, j'aimerais bien savoir ce que tu penses du Mercedes EQC, le premier SUV 100% électrique de Mercedes. Alors au premier abord comme ça, j'aime pas ce côté trop lisse, un peu bling bling, un peu tapageur. Ça me fait penser un peu aux anciennes Maybach, voire à certaines Cadillac. J'aime pas ce côté, je sais pas, à la fois bling bling, fade, lisse, j'aime pas. Moi, ce qui me gêne, c'est effectivement cette face avant très massive. Et alors, ce qu'on remarque aussi, c'est les dessous du GLC. On sent que c'est un GLC qui a été recarrossé à la sauce électrique. Il a fallu trouver des gimmicks pour qu'on sente que c'est une voiture électrique avec tous ces petits liserés bleus qu'on trouve ici sur les jantes ou là avec ce monogramme. Et globalement, bon, bah, ça manque de finesse. C'est un recarrossage plutôt maladroit comparé à l'Audi e-tron qui vient d'être révélé. C'est un peu bling bling, c'est bien sûr. Alors là, Nico, on est sur un pur concept car, Audi PB18, un look de break de chasse. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors ça m'interpelle, autant tu sais que je suis pas un fan du design Audi en général, mais là vraiment ça me plaît, c'est très original, à la fois original et un petit côté vintage. Je retrouve des concept cars des années 70, italiens un peu là-dedans, avec notamment cette immense pare-brise vraiment très sympathique. Et je crois qu'il a une fonction, Julien, tu vas nous l'expliquer. Et surtout cette calandre, cette absence de calandre, vu que c'est une calandre béante. Ouais, c'est ce qui me plaît sur cette voiture, c'est vraiment dans les détails. C'est une voiture électrique et pour le coup, elle a vraiment le design de sa fonction. Elle garde ses attributs d'Audi avec cette calandre, mais qui est totalement percée. Alors ça, c'est un avantage aérodynamique. Et en plus, pour les passagers, ça permet de voir la route et d'amplifier les sensations. Et je trouve ça vachement bien. Super marrant. Alors nous ne sommes pas là que pour dire du bien, n'est-ce pas Julien ? Nous avons dégoté parmi les nombreux stands de ce Mondial 2018 la seule Youngtimer vendue neuve actuellement. On leur montre. Le nouveau RAV4. Ouais. Alors faut vraiment aimer. Ça me rappelle, Julien, tu vas dire que je suis méchant, mais ça me rappelle les premiers 4x4 coréens d'il y a 20 ans. Ouais. Ou certaines vieilles Mitsubishi, je trouve ça sincèrement totalement has-been. Là, c'est vrai qu'au niveau du look, on peut pas dire que le RAV4 se bonifie avec le temps. On a vraiment partout des lignes, des arêtes qui même nous restent en travers de la gorge. Hein. Là, sur le profil, bon, c'est pas trop mal, mais alors à l'arrière, là, ça part vraiment dans tous les sens. Ça nous fait penser à pas mal de références. On a l'impression qu'il y a eu des rajouts de morceaux de carrosserie. Ouais, les passages de roues sont d'un ringardisme colossal. On a l'impression qu'elle n'a pas été dessinée par un bureau de style européen, qu'elle est vraiment faite pour les États-Unis. C'est dommage parce que le style de Toyota commence à se réveiller. On l'a vu avec le CHR, la nouvelle Corolla.
Là, on a l'impression que le designer, il s'est réveillé, mais en sursaut. C'est d'autant plus bizarre que le premier RAV4, rappelle-toi, avait fait l'effet d'un... Il était très mignon. Extrêmement novateur. C'était un des premiers SUV un peu sportif, sympa à conduire, avec un look révolutionnaire à l'époque, très moderne. Et là, c'est l'antithèse du premier RAV4. On l'aime pas. C'est ringard. Voilà. Désolé. Alors quand on parle design, forcément Julien, faut venir chez Ferrari. Ouais. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a toujours des trucs à découvrir. Et cette année, c'est un nouveau segment inventé par Ferrari. C'est le segment Icona, donc les icônes. J'en ai parlé hier longuement. Donc c'est des hommages à des modèles mythiques de la marque. Et là, donc c'est un hommage assez indirect, mais quand même, à la célèbre 166 mm de 1948, qui fut la première Ferrari de course à être très célèbre. Qu'est-ce que tu penses du design de cette Monza Barquette ? Moi, ça me laisse sans voix, j'ai pas grand-chose à dire. Je trouve ça évidemment magnifique, mais surtout, ce que je retiens, c'est la prise de risque de Ferrari. On n'a pas l'habitude de voir Ferrari aller sur ce type de segment, des barquettes vraiment fermées, voire pour deux passagers. C'est le genre de choses qu'on voit pas généralement chez Ferrari. Et alors tu auras noté, toi qui es un fan de design, Jules, qu'il n'y a pas de pare-brise, c'est incroyable. Donc c'est un pare-brise virtuel capable de dévier le flux d'air jusqu'à 300 km/h. Ça me rappelle, c'est quand même assez magique. Ça me rappelle la Renault Speeder. Speeder, sauf qu'il n'y avait pas, il n'y avait rien pour dévier le flux d'air sur ce Renault Speeder. Julien, nous voici sur le stand de VinFast, la toute jeune marque vietnamienne. Alors, le design de ces tout nouveaux modèles ont été en quelque sorte choisis par les automobilistes vietnamiens qui ont voté parmi de nombreux projets. Et c'est Giugiaro Ital Design qui l'a emporté avec deux voitures, somme toute assez classiques. Que penses-tu du design ? Oui, c'est plutôt classique, voire trop classique. Alors, on sent qu'il y a une patte italienne indéniable, mais je vois mal la marque se lancer avec ce type de voiture purement thermique. Ça n'apporte rien en techno, ça n'apporte pas grand-chose en design. Pourquoi est-ce que la clientèle se lancerait sur ce type de voiture ? Non, mais tout à fait. De toute façon, ça va être au Vietnam l'année prochaine et en Asie du Sud-Est par la suite. Il y a très peu de chances que ça vienne en Europe. Ben, on est content de les avoir vus en tant que concept et ils peuvent repartir avec. Ils profitent de Paris comme vitrine, comme tu l'auras compris. Alors Nico, là on est chez Kia, et je dois dire que c'est un de mes coups de cœur du salon. C'est la Procide, c'est la version break de chasse du break Seed qui existe déjà. Donc ça fait un second break dans la famille Kia Seed, mais celui-ci a un profil de break de chasse avec une allure beaucoup plus fuselée. Et je trouve que c'est un pari audacieux chez Kia sur cette catégorie de compact, et je trouve ça plutôt pas mal, plutôt réussi en look. Alors je suis d'accord, mais dis-moi Julien, avant c'est la Procide, c'était un coupé. C'était un coupé, il n'y a plus Kia. Alors, c'est élégant, et si je voulais être méchant, je dirais que ça me rappelle une Seat Toledo. Et si je veux être gentil, je vais être beaucoup plus gentil. Il y a un véritable faux air de Panamera, rappelle-moi, Sport Tourisme. La Sport Tourisme, exactement. C'est quand même assez sympathique. Alors Nico, on voulait encore parler de trois nouveautés françaises. Malheureusement, pour cause de venue de notre cher président, on ne peut pas accéder au stand Renault et PSA. Donc on va vous en parler ici, de loin. Voilà, de loin. Tout d'abord, le concept Renault Easy Ultimo, que tu as vu Nico. Dont j'ai parlé hier, absolument. Alors, bah, design très intéressant, avec un hommage au patrimoine de Renault, une carapace en forme de losange, etc. Moi, ce qui me choque dans cette voiture, c'est qu'on ne la conduira pas, vu que c'est une voiture autonome. Et voilà, ça, c'est le troisième véhicule autonome présenté par Renault cette année. On en a un peu jusque-là des concepts autonomes. Renault nous rassure parce que l'année prochaine, ils vont revenir à des concepts beaucoup plus réalistes en fait, ouais. Et axés sur la passion. Mais voilà, il faut bien avouer que ce Easy Ultimo, c'est quand même plutôt réussi en tant que dernier concept de toute cette vague de véhicules autonomes. Alors je jure, j'aurais bien aimé... Il n'était pas prévu qu'on parle du Jimny, mais comme on ne peut toujours pas accéder au stand PSA, ben on fait ça sur le stand Suzuki. Au demeurant, il est très sympathique, très charmant, ce petit Jimny. Donc on est là pour parler d'abord
du nouveau DS3 Crossback. C'est plus une citadine, c'est un SUV. Une fois de plus, voilà. Ils sont tombés dans la marmite. Forcément, du SUV. Et moi, voilà. Ça m'embête un peu, ça. Alors, au niveau du look, moi, je suis pas emballé. L'arrière est pas mal. Et y a problème, c'est que profil. Le profil, ils ont voulu à tout prix garder l'aileron de requin. Cet aileron de requin. Et voilà, là, il est alors, carrément il est vraiment posé au milieu de ce profil, sur le pilier central, pour donner l'impression, voilà, que c'est encore un coupé malgré sa configuration 5 portes. Et alors l'avant de la voiture, là, t'as un petit côté batracien qui moi me plaît pas vraiment. C'est un peu surdessiné. C'est pas vraiment une grande réussite. Ils vont avoir du mal à faire oublier l'ancienne qui a extrêmement bien vieilli. C'est ça qui est incroyable. Ouais, au début, vrai. On n'avait pas trop aimé la première DS3 et au fil du temps, on a appris à l'apprécier. Faut espérer pour eux que ça se passe soit de cette manière-là pour DS3 Crossback. Bon, Nico, ça se finit vraiment mal ce sujet design pour nous, faute de pouvoir accéder au stand Peugeot. Donc voilà, on a trouvé cette mini-moque rose pour finir. Et on parle de la Peugeot e-Légende, c'est quand même la star de ce salon. Et on va essayer de ne pas dire de bêtises parce que je crois qu'il y a Brigitte Bardot derrière. Tout le calme, Brigitte. Bonjour, Brigitte. La e-Légende, ben, effectivement, alors c'est un peu, j'allais dire, c'est pas marronnier, mais tout le monde est unanime ouais, pour dire c'est que c'est marronnier génial. De cette année, en tout c'est cas. Le marronnier ouais. De cette année. Tout le monde trouve ça génial. Et c'est vrai que c'est un immense hommage au coupé 504 Pininfarina à l'époque. Ouais, c'est très réussi. Et en plus, je lui ai trouvé, moi, l'arrière, comme je te l'ai dit, Julien, de la poupe des faux airs de Matra 500. Ouais, et ça me plaît bien aussi. On a vu aussi certaines personnes trouver un air de ressemblance avec un concept Nissan il y a quelques années. Ouais. Ce qui n'est pas faux. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que ces modèles néo-rétro, bah, ils reprennent un peu le design de beaucoup de voitures des années 70 bah, qui se ressemblaient. Bah, qui se ressemblaient, mais qui avaient quand même encore plus de gueule que les voitures de maintenant. Et c'est alors, vrai, on espère, et même chez Peugeot, certains le souhaitent en interne, ah ouais. qu'il y ait un engouement du public sur exactement. Ce EQ7 pour que ça puisse déboucher sur un modèle de série. Il y a même des pétitions qui circulent pour que cette voiture voit le jour en série. Alors, le problème, c'est qu'est-ce que ça va donner en série, parce qu'ils ne vont pas pouvoir retranscrire tel quel ce design. Moi, j'ai peur qu'elle perde un peu de son naturel, parce que forcément, elle va devoir reposer sur une base existante, probablement celle de la 508, et reprendre peut-être son tableau de bord. Mais je voudrais te rassurer, Julien, rappelle-toi le RCZ. Ouais. Qui avait une gueule d'enfer qui était plus proche et qui malheureusement a été abandonné pour cause de rationalisation de gamme, c'est très dommage. Le RCZ était une superbe super voiture et en plus très très belle. En tout cas, donc cette Peugeot e-Légende, on souhaite vraiment qu'il voit le jour dans quelques années. Donc il faut vous mobiliser, il faut signer les pétitions que vous trouvez sur le net. Et on espère, voilà, dans quelques années, vous retrouver sur le Mondial pour vous parler de la version de série. Et ben voilà, je te ramène au bureau. Ben allez, c'est parti. Allez, à bientôt. Alors Romain, on est chez Honda, on le sait pas, mais Honda est aussi, comme Toyota, un spécialiste de la voiture hybride. La preuve avec ce tout nouveau CR-V, c'est la 5e génération, qui est dévoilé ici en première européenne avec une motorisation hybride, essence plus électrique, mais je me trompe peut-être. À moins que ce soit électrique plus essence. En fait, par rapport au Toyota notamment, le principe de fonctionnement est assez différent. Ici, dans la plupart des cas, dans la plupart des phases de conduite, c'est le moteur électrique qui assure la force motrice et non le moteur thermique assisté du moteur électrique. Et là, il s'agit d'un moteur électrique de 184 chevaux et de 315 Nm de couple, donc un moteur assez costaud pour pouvoir propulser ce SUV. En fait, le moteur thermique, lui, sert finalement que de générateur. Il remplit la batterie pour continuer à alimenter perpétuellement ce moteur électrique. Mais aussi, il ne sert pas qu'à ça, parce qu'il y a un mode thermique, où par exemple, si on roule à 120-130 km/h sur autoroute, à vitesse un peu constante, c'est lui seul qui va entraîner la voiture. Donc c'est quand même, c'est totalement l'inverse d'un Toyota. C'est ça qui est assez original chez Honda. Effectivement, ce moteur thermique, il a été conçu pour fonctionner à régime constant. Donc, voilà, dès que vous avez le pied vraiment immobile sur l'accélérateur, c'est seulement à ce moment-là qu'il va entraîner directement les roues. Alors la voiture est commercialisée en janvier à un tarif de base de 34 600 euros. Ce qui n'est pas très cher pour une voiture hybride. Malheureusement, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas très grave non plus. Ce nouveau CR-V existe en 5 et 7 places en version thermique, 100% thermique, mais en hybride, c'est uniquement 5 places. En revanche, on peut le choisir en 2 et en 4 roues motrices dans cette version hybride. Ça, c'est un bon point.
À l'heure où tout le monde présente son nouveau SUV, eh bien Mercedes est un peu à l'ancienne parce qu'il présente de son côté un nouveau monospace. C'est la nouvelle génération de classe B, la troisième en l'occurrence. Alors c'est une voiture qui est un peu plus longue que la précédente, de 3 cm environ. Ces 3 cm, ils ont été gagnés à l'empattement. Ils ont quand même fait en sorte que le coffre soit plus petit. Et oui, précédemment. Et oui, ça c'est étonnant. L'évolution chez Mercedes, eh bien, c'est la diminution. Tu vois, on avait 480 litres de coffre dans l'ancienne classe B et là on passe à 435. En revanche, tu l'as dit, l'empattement plus long devrait gagner en habitabilité à l'intérieur et aussi en confort et pourquoi pas en agrément de conduite avec cette nouvelle classe B. Et oui, parce que cette nouvelle classe B repose sur la plateforme de la nouvelle classe A qu'on a essayé plus tôt cette année. Du coup, elle profite naturellement du même contenu technologique avec une multitude d'écrans dans l'habitacle ainsi que son assistant personnel auquel on peut demander à peu près n'importe quoi. Et côté moteur, eh bien on en saura plus au mois de novembre puisque nous allons essayer cette classe B, vous dire vraiment ce qu'on en pense, si elle est plus habitable, si elle est plus confortable. Le coffre, malheureusement, il est plus petit. En essence, il y aura un 1300 d'origine Renault-Mercedes décliné en différentes puissances, un moteur diesel aussi décliné en différentes puissances, une version électrique est peut-être à l'étude. L'hybride, on n'en sait pas plus. Et sachez, et d'ailleurs Romain, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, que la classe B est la seule Mercedes de toute la vaste gamme du constructeur allemand à ne pas exister en version AMG. Non, tu ne me l'apprends pas parce que le catalogue AMG, je le connais par cœur forcément. Et bien justement, on va peut-être aller voir maintenant une nouveauté AMG, c'est la A35 AMG. Alors Romain, tu avais essayé la classe A quelques mois auparavant et tu avais trouvé que son agrément de conduite manquait un peu de dynamisme et le moteur de caractère. Et oui, par rapport à la précédente génération qui avait vraiment offert un bond en avant en matière de comportement et même d'agrément mécanique, je trouve que cette génération-là est un peu lisse. J'avais essayé une A200 de 163 chevaux et j'avais pas trouvé ça tonitruant, quoi. Mais là, je suis content, je vois qu'il y a écrit AMG dessus. Oui, puis ça se voit. C'est vrai que ça a des artifices un peu aérodynamiques un peu partout. Ça devrait être mieux. Eh bien, je pense que ça va être beaucoup, beaucoup mieux que la classe A classique que tu as essayé déjà, puisqu'elle reçoit un 2 litres turbo 4 cylindres, évidemment, 306 chevaux, 400 Nm de couple. Le 0 à 100 est annoncé en 4 secondes 7, donc ça va quand même marcher très, très fort. 4 roues motrices, boîte de l'embrayage à 7 rapports. Évidemment, ça va être un petit peu plus cher. On estime le prix de base à 46 000 euros. Ouais. On est quand même chez Mercedes. Donc, cette classe A, ça va être une super GTI. Ouais, alors, j'ai bien vu qu'il y avait écrit AMG, mais il y a écrit A35. Jusqu'ici, je connaissais la A45. Donc ça, c'est pas la vraie AMG. Si, c'est une vraie AMG. Elle est évidemment mise au point à Alphalterbach, chez AMG, à côté de Stuttgart. Il y aura en effet, tu as raison, une A45 qui arrivera un peu plus tard, qui fera environ 400 chevaux, enfin au moins 400 chevaux, on espère qu'il sera évidemment plus cher. Elle arrivera courant 2019, et là, eh ben là on aura peut-être la compacte la plus puissante du monde, ce qui était déjà le cas de l'ancienne d'ailleurs. Top, on a hâte. En partant du principe qu'il s'agit ici de l'héritier du ML sorti en 97, ce GLE est la quatrième génération du SUV Mercedes. Et je crois que Stan, il te rappelle très franchement un autre SUV de la catégorie que tu viens d'essayer. Et oui, le BMW X5 qui lui aussi fête sa quatrième génération. On l'a essayé il y a très peu de temps, vous pouvez trouver l'essai sur automoto.com. Alors, ces voitures ont quand même pas mal de points communs. Évidemment, ils naviguent dans la même catégorie. Ils ont la même taille d'empattement, 2,92 m. Ils sont tous les deux fabriqués aux États-Unis. Et ils ont aussi la possibilité d'accueillir 7 personnes. Alors, c'est une nouveauté sur le GLE qu'il avait sur la première génération en 97, dont celle dont tu as parlé. En revanche, le X5, lui, ça fait 3 générations qu'il peut accueillir 7 personnes. Autre point commun entre ces deux SUV, ils sont désormais plus tout-terrain. Alors, à quoi ça va servir et surtout à qui ça va servir, puisque les deux marques considèrent qu'il y a moins d'1% des clients de GLE et de X5 qui vont faire du tout-terrain. Alors, pour augmenter ses capacités tout-terrain, Mercedes compte sur la nouvelle plateforme du GLE qui permet l'adoption d'un réseau électrique 48 volts et donc l'adoption de suspensions plus sophistiquées que l'on peut commander électro-hydrauliquement et augmenter le débattement, le fameux débattement de la suspension qui permet de digérer les obstacles. C'est pas tout, ce réseau 48 volts sert aussi aux motorisations comme celle qui ressemble à ce que tu as essayé sur le CLS. Exactement, donc c'est un 6 cylindres en ligne aidé par un réseau de 48 volts, donc une grosse batterie, c'est une micro-hybridation qui permet d'avoir 22 chevaux en plus, d'abaisser les consommations. Mais Romain, tu vas nous en dire beaucoup plus sur ce GLE dans peu de temps puisque tu vas essayer ce GLE donc aux États-Unis au mois de novembre. Oui, c'est ça, au début du mois de novembre. Et on connaît avant l'essai déjà le prix de base de la version diesel.
le 300D 4 cylindres de 245 chevaux qui vous coûtera la modique somme de 69 000 euros avant les options évidemment. C'est jamais cher les Allemands. Mais non. Alors Romain, tu le sais bien, malheureusement, pour les mélomanes comme nous, l'avenir de l'automobile mondiale passe par l'électrification. En partie. En partie. Là, nous avons une preuve chez Mercedes qui avait annoncé en 2016 le développement d'une gamme toute électrique. Ouais. Et voici la première pierre à l'édifice, le QC. Eh oui, EQC, voilà, comme Stan l'a dit, 2 ans après l'annonce, la voiture, elle est là, sur le stand, elle sera commercialisée dès l'année prochaine. Alors, on l'essaye d'ailleurs assez bientôt, je crois, début d'année, début 2019. Moi, je trouve quand même que cette EQC ressemble très étrangement à un GLC, le SUV compact de chez Mercedes. Et pour cause, en fait, il s'agit ici d'une plateforme de GLC. À la différence de Jaguar, Mercedes est en fait partie d'une plateforme existante et non d'une feuille blanche, ce qui crée quelques désavantages. Alors, ok, des avantages, mais techniquement, on peut dire qu'il est quand même tout à fait à la page. Est-ce que tu peux nous rappeler quelques valeurs de puissance et d'autonomie de cette EQC? C'est un moteur électrique par essieu pour que cette voiture soit 4 roues motrices. En puissance cumulée, c'est l'équivalent de 408 chevaux, 450 km d'autonomie à peu près, annoncé par le constructeur. Et en fait, quand je parlais tout à l'heure de feuille blanche, eh bien, si Mercedes avait fait cette démarche, vraiment de tout reprendre depuis zéro, cette chaîne de propulsion aurait été mieux intégrée, ce qui lui permet d'être plus performante, plus efficiente, de moins empiéter sur l'habitabilité comme le volume de coffre et sur le style également ici qui est assez convenu. Assez convenu. Mais rassurez-vous, chez Mercedes, il reste évidemment des modèles essence, diesel et surtout AMG, comme celui qu'on adore, le GLC 63 AMG. C'est une pure merveille. Rien à voir avec l'électrique. Alors Romain, je vais peut-être te paraître vieux, hein, tout simplement, puisque sous les yeux, j'ai un de mes modèles préférés de la gamme 911, la vaste gamme 911, c'est 911 Speedster, sorti en 88. En 88, j'avais 13 ans, mais aujourd'hui, on est en 2018, comme tu le sais, et la fameuse marque allemande célèbre ses 70 ans et s'est offert un très beau cadeau d'anniversaire avec cette 911 Speedster Concept. Alors c'est un concept, mais très proche de la réalité, qui devrait être commercialisé l'année prochaine, en début d'année prochaine. Ce Speedster, il est basé sur une 911 GT3 actuelle. Il en a d'ailleurs le moteur, le fabuleux 4 litres atmosphérique de 500 chevaux, le châssis et les trains roulants, hyper abouti. Il y a un bouchon de remplissage au centre du capot avant et des rétroviseurs. Ce seront les deux seuls éléments qui ne seront pas sur la version définitive, qui s'explique en partie par le fait que, par exemple, Arthur Mattal, ici, très petit, peut-être vous le connaissez, vous l'avez vu dans nos vidéos, il ne pourrait pas remplir le carburant de sa 911. Alors, autre nouveauté aussi, c'est les phares Matrix LED. C'est la première fois qu'on les voit sur une 911. Ils sont arrivés sur la Panamera, le Macan et le Cayenne. Et aussi, alors, il y a une chose que j'adore sur cette voiture, ça se passe à l'intérieur, c'est qu'il y a une boîte manuelle. Et quand on sait ce que c'est qu'une boîte manuelle chez Porsche, c'est probablement, à mon sens et peut-être le tien aussi, la meilleure commande de boîte du marché mondial de l'automobile avec la Mazda MX-5. C'est extraordinaire, sauf qu'ici, bah, tu l'as dit, un des plus beaux moteurs de la production. La production qui sera évidemment très limitée, 1948 exemplaires pour cette future 911 Speedster. On ne sait pas combien il y en aura en France, mais on espère simplement pouvoir vous en parler beaucoup plus quand on l'aura essayé, on croise les doigts. Ce qu'on sait déjà, c'est que le prix, qu'on ne connaît pas précisément, sera très élevé. Normal, on est chez Porsche. Renault entre véritablement dans l'ère du 2.0 avec ce tout nouveau concept Easy EZ Ultimo. Véhicule totalement autonome. On ne parle plus d'ailleurs de véhicule, mais on parle de robot véhicule chez Renault. Motorisation électrique, 500 km d'autonomie. Il s'agit d'une limousine immense, 5,70 m, avec un habitacle extrêmement luxueux, un véritable salon roulant qui peut embarquer seulement 3 personnes et qui sera à l'usage de flottes prestigieuses comme par exemple celle des grands hôtels. La peau extérieure est absolument magnifique avec un peu une carapace de reptile avec des logos qui reprennent évidemment le losange Renault. L'habitacle fait appel à des matériaux extrêmement luxueux comme le noyer d'Amérique ou le marbre. Un mariage entre tradition et modernité qui rend hommage aux 120 ans de la marque au losange. Bien évidemment, vu que vous n'aurez plus à conduire, vous serez totalement captif dans ce véhicule. Et Renault vient de signer des accords avec le groupe de presse Challenge et également avec l'incontournable Google pour tout ce qui est information, communication. Donc bien évidemment, vous serez totalement envahi de publicité, de sollicitations. Alors voilà, c'est visiblement l'avenir de l'automobile selon Renault.
Nous voici sur le stand Renault du Mondial de l'Automobile, un stand sur lequel se côtoient des véhicules parfaitement traditionnels avec tous les véhicules du futur tels que Renault les imagine, avec des véhicules quasi totalement autonomes comme nous allons le voir plus tard. En attendant, nous nous intéressons au Kadjar. Kadjar restylé, après 3 ans de carrière, il subit la concurrence farouche d'un certain Peugeot 3008 qui se vend 3 fois plus sur le marché français, ce qui n'est pas rien. Heureusement, ce Kadjar connaît une carrière internationale extrêmement flatteuse avec près de 500 000 exemplaires fabriqués et vendus dans 50 pays et notamment en Asie et en particulier évidemment en Chine. Premier restylage au bout de 3 ans de carrière, il adopte une calandre élargie avec barrette chromée, un bouclier redessiné, une nouvelle signature lumineuse et le bouclier est désormais quasiment intégralement peint. Même modification à l'arrière avec un bouclier redessiné, des fausses sorties d'échappement intégrées en bas de bouclier et des nouveaux petits feux bicolores en bas de bouclier. Les évolutions concernent bien évidemment également l'intérieur avec, comme nous allons le voir, une planche de bord légèrement retouchée. Les évolutions dans l'habitacle demeurent très modestes, hein, il ne fallait pas que ça coûte quand même trop cher. L'écran tactile demeure identique, mais il paraît plus large grâce à l'adoption de commandes désormais sur le côté. Autre nouveauté, les amateurs de Dacia Duster reconnaîtront les nouvelles commandes de clim, façon Audi TT s'il vous plaît. Donc on ne s'est pas embêté, on a repris les commandes de clim du Duster. Des petites touches de chrome satiné, voilà à peu près à quoi se réduisent les évolutions. Autre amélioration, les sièges entièrement redessinés, offrant un meilleur confort, un meilleur maintien et avec une assise désormais plus longue. Sous le capot de ce nouveau Kadjar, on retrouve bien évidemment des motorisations aux nouvelles normes, à savoir en essence le 1300 TCE de 140 ou 160 chevaux, lequel peut être associé à une boîte manuelle ou à l'excellente boîte robotisée à double embrayage EDC. Et côté diesel, le sempiternel petit 1.5 DCI dont la puissance vient de grimper de 110 à 115 chevaux ou le tout nouveau 1700 150 chevaux inauguré sous le capot du Scénic. Une motorisation diesel haute qui est la seule à être proposée avec une transmission intégrale et c'est là que le Kadjar fait la différence, c'est que c'est le seul SUV familial tricolore à pouvoir disposer d'une transmission intégrale, ce qui n'est ni le cas du Peugeot 3008, ni le cas du futur Citroën C5 Aircross. Commercialisé en janvier, ce Kadjar 1.5 devrait être vendu à un tarif qui débutera en dessous de 25 000 euros, soit sensiblement le même prix que son futur concurrent, le Citroën C5 Aircross. Stan, tu m'as amené ici chez Skoda pour nous montrer un Kodiaq. Alors moi, les SUV, c'est pas trop ma came. Seul truc qui me plaît, c'est la couleur, la sortie de mes chaussures, sublime. Et puis ce petit badge RS là, ça veut dire que ça pousse ? Alors il pousse méchamment puisque ça fait 240 chevaux et 500 Nm de couple pour une voiture lourde. Le couple, c'est toujours important. Ouais. Tu vas être très déçu, mon petit Romain, je suis désolé, c'est un diesel. Oh non. Un diesel, mais pas n'importe lequel. 2 litres BTDI de chez Volkswagen, donc on le connaît sous le capot de la Passat et du Tiguan. Pour avoir essayé les deux voitures, ça marche quand même très fort, ça consomme très peu. Et je trouve qu'en l'occurrence, le diesel a encore un certain intérêt sur les SUV pour l'autonomie, pour la consommation évidemment, car ce sont des voitures assez lourdes, assez imposantes. Ouais. Je te donne le prix quand même, ouais. 50 290 euros en prix de base en version 5 places, mais tu as quand même une présentation spécifique, ouais. RS avec des sièges super enveloppants, et ça c'est pas mal du tout. Ça veut dire que ce Skoda Kodiaq RS n'existe pas en essence? Alors pas avec le label RS, mais il y a un nouveau moteur essence qui est arrivé sous le capot du Kodiaq. C'est un 2 litres TSI 190 chevaux qu'on connaît évidemment très bien dans le groupe Volkswagen, qui est un super moteur pour les allergies. C'est un super moteur. C'est un super moteur pour les allergiques au diesel comme nous. Ça va forcément nous plaire, puisque je te rappelle qu'avant la puissance maximale qu'on pouvait avoir en essence sur un Kodiaq c'était 150 chevaux. Ouais. Ok, bah écoute. J'attends de voir avec des pneus hiver pour aller au ski, ça me dit pas mal d'essayer. Oh bah c'est la voiture idéale. On verra ça. Le stand Peugeot, c'est celui à ne pas rater. Je vous propose d'en faire le tour assez rapidement. Et ça commence évidemment avec sûrement la star de ce mondial. C'est la Peugeot e-Légende, un concept car 100% électrique qu'on a déjà eu la chance de rencontrer avant de se déplacer ici sur le mondial. On vous en propose d'ailleurs une vidéo. Alors la grande question, c'est est-ce qu'elle sera un jour produite en série? On l'espère évidemment, et même si pour certains il est difficile de l'intégrer au sein de la gamme Peugeot,
ne faut pas oublier que c'est une marque qui a, par exemple, récemment développé les RCZ. Alors pourquoi pas, on y croit. Et on continue. L'autre première mondiale sur le stand Peugeot, c'est la 508 Break, donc elle s'appelle SW. Alors c'est une voiture qu'on apprécie pour ses qualités routières et pour la présentation à bord. On remarque que le Break aussi a droit aux vitres sans encadrement. Donc c'est la première mondiale et elle apparaît là dans la version First Edition, très bien équipée. Là c'est un moteur de 180 chevaux. Côté coffre, on donne 530 litres selon Peugeot, mais attention, c'est une valeur qui ne représente pas vraiment ce qu'on peut mettre dedans, c'est pas ce qu'on appelle un volume VDA. Le prix de ce modèle particulièrement équipé, c'est 54 390 euros, c'est considérable. Mais il y a des équipements en option comme par exemple la vision nuit ou alors évidemment la suspension pilotée propre à cette version, ce qui permet de conserver une assiette constante même lorsque la voiture est chargée, donc on ne sera pas comme ça en roulant, même avec plein de bagages. Allez, autre nouveauté du stand Peugeot. Sur ce même stand, on trouve les bornes de recharge EVBox. Pourquoi chez Peugeot? Parce que ça y est, enfin, on va avoir de l'hybridation dans un premier temps sur les 508 et 508 SW, mais aussi sur le 3008. Ces voitures hybrides n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'un côté, on a le Break 508, donc ou la berline, qui dispose d'un moteur essence de 180 chevaux et d'un moteur électrique de 110 chevaux. Mais pour avoir la puissance totale, il suffit malheureusement pas d'additionner ces deux niveaux. On a donc au total 225 chevaux répartis uniquement sur le train avant et une autonomie en mode 100% électrique de 40 km. La 3008, c'est bien différent. On a un moteur essence qui s'occupe d'animer les roues avant. Il développe 200 chevaux. Et pour l'arrière, on a deux moteurs électriques qui, eux, développent l'équivalent de 100 chevaux. Donc au total, ça fait jusqu'à 300 chevaux pour cette version hybride. Et enfin, chez vous, en tant que particulier, pour faire installer une wallbox comme celle-ci, il faudra compter aux alentours de 1500 euros. Le stand Toyota au Mondial, c'est peut-être pas le plus foufou, le plus funky, et pourtant, il y a pas mal de nouveautés. Ça commence avec cette Corolla qui remplace Loris. Pourquoi un changement de nom? Et tout simplement parce que Loris, ça n'a jamais vraiment percé, alors que la Corolla, historiquement, c'est quand même 45 millions de véhicules vendus dans le monde. Alors certains disent oui, mais il faut faire attention parce que la Corolla, en fait, elle a eu pas mal de formes différentes. Elle existe depuis 66, c'est vrai. N'empêche que ce nom, il existe vraiment dans l'esprit des gens et c'est vraiment valable à l'international. Cette voiture, elle sera disponible donc en berline à partir du mois de février. Et c'est aussi le seul Break compact qui soit disponible avec des motorisations hybrides. Et la nouveauté, justement, c'est qu'il n'y a que des motorisations hybrides, mais il y en a deux. 122 chevaux ou 180 chevaux et le prix de base, donc les commandes ouvrent demain, donc le 3 octobre, c'est 24 950 euros. Voilà pour cette version. Là, on voit le Break qui s'appelle Touring Sports et on continue après cette voiture qui est Made in UK. On va se balader encore sur le stand Toyota. Le RAV4, c'est sa première présentation en Europe, mais on l'a déjà vu sur d'autres continents. Il arrive dans les concessions Toyota dès le mois de janvier, avec un moteur hybride, là encore, un 2,5 litres qui est associé à un moteur électrique. Au total, 218 chevaux pour les versions 2 roues motrices et 4 chevaux de plus, 222 pour les versions à 4 roues motrices. Donc pour rappel, le RAV4, c'est quand même un modèle historique de la gamme Toyota. C'est un peu lui qui a démocratisé tout ce qui est petit SUV, même si effectivement aujourd'hui, il a énormément grossi. Pour rappel, le RAV4, la première génération, elle est apparue en 94, mais depuis, le modèle a énormément grossi. Il était tout petit avec trois portes au début. Et maintenant, évidemment, c'est sacré engin. Ce qu'on attendait un peu moins, c'est la Camry qui remplace la 26. Alors, la Camry en Europe, ou tout au moins en France, ça parle pas beaucoup, sauf que c'est quand même la 8e génération de cette grosse berline qui est avant tout pensée pour les États-Unis. D'ailleurs, ça se voit un peu sur ses traits, notamment en ce qui concerne la face avant. Sauf que là-bas, aux États-Unis, elle est vendue avec différents moteurs essence, dont un V6 par exemple. Et chez nous, ce sera seulement en hybride, avec le même moteur que le RAV4, donc 218 chevaux, deux roues motrices, donc un 4 cylindres 2,5 litres associé à un moteur électrique. Au final, Toyota parle de consommation selon le cycle NEDC de 4,2 litres au 100, ce qui est vraiment peu. Et cette voiture, on l'aura avant même le printemps 2019 en France. Et si ça marche aussi bien qu'aux États-Unis, ça va cartonner, puisque je vous ai dit première génération 1982. Et depuis, c'est 19 millions d'unités qui sont écoulées dans le monde.
Ça fait en moyenne 700 000 exemplaires par an. Alors, ce sera un véhicule qui va arriver pour concurrencer, par exemple, la Volkswagen Passat ou la Renault Talisman. On connaît déjà son volume de coffre, c'est 562 litres, donc c'est vraiment grand. Mais sur ce segment, c'est pas la référence. Et donc, c'est un véhicule qui mesure 4,88 m de long. Et pour cette catégorie, c'est franchement énorme. Et enfin, la dernière, c'est pas du tout la moins intéressante, sauf qu'elle est toujours pas présentée dans sa version de série. C'est la nouvelle Toyota Supra. Alors effectivement, là, elle est très élargie, elle est bodybuildée, parce qu'elle se destine à la piste. Mais il faut savoir que nous, notre version, on l'aura. Les premières livraisons seront même à l'été 2019. Ce qu'on sait d'elle, c'est qu'à l'avant, on a un 6 cylindres en ligne 3 litres turbo d'environ 340 chevaux minimum. Et c'est un modèle qui est développé en collaboration avec BMW qui en a fait son Z4, sauf que chez BMW, c'est un roadster, alors que là, c'est un coupé. Propulsion, évidemment, stricte de place, de bonne performance. C'est un modèle qui, au sein de la gamme Toyota, qui est plutôt réputé pour ses voitures hybrides, va apporter pas mal de fun. Tesla essaye de démocratiser ses voitures et sa technologie, mais visiblement, c'est pas facile. La Model 3, qui est censée remplir ce rôle, eh bien, débarque seulement pour la première fois en France de manière officielle, et on n'en sait pas beaucoup plus sur cette voiture. Stan, elle est commercialisée depuis la fin de l'année dernière aux États-Unis. La production de la version à 4 roues motrices a démarré depuis le début de cette année. Mais en revanche, chez nous en Europe, on ne l'aura pas avant le premier semestre 2019 selon Tesla. Donc premier semestre, ça veut dire plutôt entre avril et juin que janvier. Et enfin, dernier élément très important de cette Tesla Model 3, c'est son prix. Ça ne va pas vraiment vous aider. 35 000 $ en prix de base aux États-Unis, hors taxes et hors la conversion à l'euro. Donc il faut plutôt compter sur une version de base à 40 000 €. Et encore, ça dépend de la batterie que vous utilisez. Et oui, puisqu'il y aura quand même un semblant de gamme, on va dire, puisque vous pourrez la choisir en propulsion, en 4 roues motrices avec un moteur sur chaque essieu. Il y aura deux capacités de batterie différentes. La première vous permettant d'accomplir environ 354 km. La deuxième, 500 km environ. Il y aura deux niveaux de puissance aussi. Tesla, qui n'est pas un vrai fabricant de voitures, eh bien, communique pas sur les puissances, mais sur le 0 à 100 km/h. Donc, il y aura une version qui sera capable de faire un 0 à 100 en 5,4, la deuxième en 3 secondes 7. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour le moment. Et puis, côté pratique, un coffre à l'avant, un deuxième à l'arrière, 540 litres en tout. Et puis voilà, un habitacle épuré, comme d'habitude sur les autres. Hyper moderne. Voilà, comme d'habitude chez Tesla, avec un grand écran de 15 pouces sur la planche de bord, implantée horizontalement cette fois. En attendant que cette Model 3 arrive sur le marché français, ça va laisser aux infrastructures le temps de se développer et de pouvoir bénéficier de superchargeurs pour pouvoir rouler vraiment sereinement en voiture électrique. Mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Ce sont nos coups de cœur et nos coups de gueule ici au Mondial de l'Auto 2018. Ce sont les... les tops et les flops de la rédaction d'Automoto. Cette année, le Mondial, c'est aussi celui de la moto. Et c'est justement l'occasion, même si l'exposition n'est pas dingue en termes de superficie, de découvrir des nouveautés comme ce Monkey qui est vendu par Honda depuis le mois de juillet. Ou encore plus impressionnant, le Cube. Alors ça, ça a un look un peu atypique. Il faut savoir quand même que c'est l'engin le plus produit dans le monde, toutes catégories confondues. Il s'en est vendu plus de 100 millions sur Terre et c'est un concept qui existe depuis 1958. Et bonne nouvelle, on l'aura très bientôt chez nous en France. Alors, erreur de communication et de marketing, mais nous sommes bien sur le stand DS avec Romain. On vous a présenté la DS3 Crossback, la grosse nouveauté française de l'année. Mais pourtant, vous avez sous les yeux la première DS3, une voiture qui a 8 ans et qui pourtant est sur le stand DS. Ben oui, parce qu'elle est encore toujours au catalogue pour quelques mois, je crois. Ceci dit, cette DS3, je pense qu'elle a assuré une partie du développement de la marque parce que c'est peut-être la plus réussie des modèles historiques. La DS4, c'était pas terrible, la DS5, c'était pas très abouti non plus. Et je sais que ça fait hurler les propriétaires de Mini qui ne nous croient jamais, mais une DS3, c'est très sympa à conduire quand elle est bien motorisée. Une bonne version THP ou performance, je vous la recommande chaudement. Et d'ailleurs, pour cette fin de vie, eh bien, cette DS3 Forever reçoit le fameux PureTech 110 chevaux associé exclusivement à une boîte automatique à 6 rapports. Il n'empêche que je trouve que c'est un flop ici de la part de DS de présenter deux voitures sur le même stand qui ont le même nom. Une qui démarre sa carrière et une qui la termine. Alors, au Mondial, on voit par exemple cette 911 Speedster Concept.
c'est très beau, ce sera fabriqué à 1948 exemplaires. Mais ce que je trouve vraiment génial ici, ce qui pour moi mérite un top, c'est que le Mondial, c'est aussi une sorte de musée automobile. Bel exemple chez Porsche, avec toutes les supercars de la marque, à la 959, la 900 GT1, la Carrera GT ou encore la dernière des supercars hybrides. Bref, pour se rincer l'œil, c'est vraiment le top. La 508 SW, on l'a beaucoup écrit à Automoto, c'est selon nous l'un des plus beaux breaks de ce mondial. Mais seulement Romain, lui, il trouve que pour un break, il a quand même un gros défaut. Oui, parce que ce break, il est tellement beau qu'il en oublie les aspects pratiques, comme le coffre, par exemple, anecdotique sur un break. Ici, il fait seulement 530 litres avant de rabattre la banquette. Même une Peugeot 308 du segment inférieur fait mieux avec 610 litres. Donc, regarde, même l'ouverture, là. Si t'as un chien, il voyage tout bossu comme ça, il va nous faire une spoliose, enfin voilà, c'est pas terrible. Il faut prendre des bagages plus petits et on achète dorénavant maintenant les breaks pour leur ligne et plus pour l'aspect pratique, à l'instar d'une Mercedes classée, une future série 3 Touring ou une vie à 4 avant. Et vous le savez, Peugeot veut vraiment monter en gamme et veut dorénavant marcher sur les plates-bandes de ces fameux constructeurs allemands. Nous, on nous présente l'Easy Ultimo, un concept car impressionnant mais que je trouve peut-être un peu gratuit dans le sens où c'est une vision futuriste de l'automobile sans conducteur. Bref, chez Renault, on a l'impression que, heureusement qu'il y a la Mégane RS ou l'Alpine, parce que sinon on a l'impression que c'est un peu la marque des gens qui ne s'intéressent pas vraiment à la conduite. Et je trouve ça dommage, même si effectivement l'intérieur est très impressionnant, c'est très raffiné. En tout cas, moi ça me parle pas. Parmi les coups de cœur de ce Mondial 2018, je voudrais mettre la Peugeot e-Légende. C'est un concept malheureusement, mais quand même, quelle gueule. Franchement, ça fait plaisir. À l'époque du tout SUV, c'est très rafraîchissant de voir un si beau coupé, svelte, petit, qui a l'air léger comme ça, qui suggère le plaisir de conduire et autre chose que des grosses choses très opulentes. Alors en plus, à la pointe de la technologie, évidemment, tout électrique, hyper connecté, c'est la tendance actuelle de l'automobile. Clin d'œil évident à la 504 coupée pour une simple et bonne raison, c'est que cette année 2018, nous fêtons les 50 ans de la 504 qui est sortie en 1968 et qui était à l'époque une des meilleures berlines européennes du segment. En effet, alors là, pour le coup, je suis complètement d'accord avec Romain. Vraiment gros coup de cœur pour cette e-légende de chez Peugeot. Et cette e-légende, elle est tellement belle que je lui pardonne sa motorisation électrique. Juste derrière le stand Renault, on trouve quelque chose d'assez atypique. C'est une vraie voiture, mais en fait, pas vraiment. Elle est entièrement composée d'éléments Lego, des petites briques, des petits axes. Elle pèse 1,5 tonne et est capable de rouler grâce à des moteurs électriques jusqu'à 30 km/h. Alors certes, on est loin des performances de la Chiron, mais je trouve que c'est une vraie œuvre d'art. C'est magnifique, ça a demandé un an et demi de développement et de construction. Il faut savoir qu'il y a quand même une base, un châssis en alu. Il y a aussi les roues. Des roues de Bugatti et les ceintures qui proviennent du Volkswagen Passat. Pour le reste, tout est en plastique et franchement, ça vaut le détour. Pour un gros constructeur, la location d'un stand durant les 10 jours d'exposition au Mondial, c'est environ 2 millions d'euros. Résultat, on se retrouve avec des grands absents, par exemple Volkswagen, Fiat, il y a aussi Opel, Ford, Volvo, Alfa Romeo. Bref, il en manque pas mal et c'est d'autant plus dommage que chez Ford, on aurait pu voir l'actuel Focus, la nouvelle Fiesta. Chez Fiat, il y avait le restylage de la 500X. Chez Volkswagen, le T-Cross. Bref, tout ça, c'est des choses que le visiteur ne verra pas et c'est franchement regrettable.